aucune trace du vieil homme. Je me demande si les frères de la nuit l'ont eu. L'intrus est ici! Ah, l'intrus! Venez, mes frères! Il faut qu'on en finisse! Je dois le vaincre! T'as peur, Jedi? C'est sûrement le tombeau. Fais voir ça. Mon ami, la quête de l'Astrium nous a menés au tombeau de Kuzek. Quoi que ça puisse être, c'est parti. Salut, Cal. Il paraît qu'on va avoir de nouveaux ordres. Pas trop tôt. J'ai hâte de quitter ce dépotoir. T'as l'air bien pressé. Maître Dapal ? Padawan, il est l'heure de ta leçon. Oui, maître ? Viens nous rejoindre, et ne traîne pas. Bien. Ne me fais pas attendre. Action avant de t'engager. Je vois que tu n'es pas pressé d'accomplir l'exercice.
Commandant. C'est un coup bas, commandant. Concentre-toi. Si tu te concentrais, tu verrais venir ce genre de diversion. C'est mieux, Padawan. Rejoins-moi. Cet entraînement durera le temps qu'il faudra. Tu finiras par apprendre la leçon du jour, d'une façon ou d'une autre. Nous allons commencer par ta préparation physique. Mais d'abord, nous avons des ordres. Braca est sûr. Nous sommes prêts à partir pour Magito. Génial! Il faut... Est-ce que ça va? Quelque chose ne va pas. Non! Non! Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi le commandant vous a... Padawan, il se passe quelque chose de grave. Les clones nous ont trahis. Pour le moment, je n'ai aucune réponse à tes questions. Nous devons quitter ce vaisseau. Et vite. Va au module de sauvetage, par les couloirs de maintenance. On s'est entraîné. Tu t'en souviens? Oui, maître. Et vous, qu'allez-vous faire? Je vais créer une diversion et je te rejoindrai. Si je ne suis pas là quand tu arrives, alors pars sans moi. Je te retrouverai sur Braca. Est-ce que tu as compris? Oui, maître. Ils arrivent. Je vais sceller le sas, mais si jamais un clone croise ta route, tu ne devras pas hésiter. Va. Et que la force soit avec toi. Allez. Va-t'en. Le voilà. Abattez-le. Non, stop. T'as pas le prend la fuite. Il nous faut des renforts. Je dois tirer ça pour passer. Je ne comprends pas. Qu'est-ce qui se passe? On a le Jedi en visuel. Aucune trace du plus jeune. Fouillez partout. Il doit pas être bien loin. L'air est encore arrêté. Hey, c'est quoi ce bruit? Monte la garde. Je vais fouiller la zone. C'était quoi? Un truc dans les couloirs de maintenance. Je crois que j'approche du turbolift. Il est pas très loin après ça.
ne pourra s'échapper que si tu la fais. Oui, maître. On a coincé ta base en face. Envoyez des renforts. Charo, ta base est de l'autre côté de cette porte? Ouais, mais il passera pas au travers. Ce serait trop long de découper la porte avec son sabre laser. Attends, donc c'est quoi ça? Attention! Vite, Padawan, nous devons partir. Les commandes de la porte. Padawan, il est l'heure de commencer la leçon. Tu resteras faible. Tu es faible, tu manques de discipline. Tu as peur de te battre ? Tu laisses la peur rompre ton lien avec la Force. Tu n'as aucun courage. Oui, je suis mort par ta faute, mon jeune apprenti. Tu es voué à l'échec, à la faiblesse, tu es un traître. Tu n'es pas un Jedi! Non! Plus rien. C'est pas ABD. Je ne me l'explique pas moi-même. Hé, BD, là-dedans. Ah, il y avait quelque chose là-dedans.
Ça ne s'est pas passé comme prévu. Je t'avais pourtant prévenu. Laissez-moi tranquille. Et t'abandonner, tout seul, égaré et sans défense sur cette dangereuse planète. Jamais. Ok, j'en ai assez. Dites-moi qui vous êtes. Daron Malikos. Je fus un Jedi. Tout comme toi. Nous avons tant en commun. Ça m'étonnerait. Oh. Nous avons survécu à la purge. Mes hommes m'ont lâchement trahi. Je me devais de les supprimer tous. Et je suis allé me cacher dans cette... endroit maudit. Les ténèbres ici m'ont presque emporté. Mais j'ai triomphé. Vous êtes le chef des frères de la nuit. Oui. Mais ces sauvages ne respectent que la puissance. Et comme nous le savons, la force est la plus puissante des alliés. Vous vous servez de la force afin d'obtenir le pouvoir, c'est... c'est contraire à l'enseignement des Jedi. Nous vivons des temps obscurs. Nous sommes donc voués à disparaître si nous n'agissons pas, toi et moi. Je n'ai pas besoin que vous m'aidiez. Ce sabre laser qui est brisé indique le contraire. Tu as vu quelque chose là-bas, pas vrai? Quelque chose d'horrible. Datomir foisonne d'endroits comme celui-ci. Rejoins ma famille. Et je pourrai t'apprendre à contrôler son pouvoir. Rejoins ma famille. Et je pourrai t'apprendre à contrôler son pouvoir. Vous vous répétez, Malikos. Sœur Meryn, tu ferais mieux de ne pas te mêler de tout ça. Pendant des années, vous disiez que les Jedi avaient orchestré le massacre de toutes mes sœurs. Et lorsque l'un d'eux se présente, vous cherchez à le faire entrer dans votre famille. Tu aurais dû t'en occuper. Mais tu n'en as pas le pouvoir, sorcière! Le pouvoir. Vous êtes fou, Malikos. Datomir a engendré votre chute. Et ma naïveté bien trop grande vous a permis de conduire à leur perte les frères de la nuit. Contrairement aux Jedi, les sœurs de la nuit de Datomir ne se trahissent jamais entre elles. Notre dévotion est éternelle. Toutes tes sœurs sont mortes. C'est vrai. Vous êtes entouré de leurs tombeaux. Il faut qu'on parte. Idiote! Ce pouvoir, tu ne sais pas le contrôler! Vous apprendrez tous deux qu'affronter une des sœurs de la nuit de Datomir, c'est les affronter toutes! De démarrer le Mantis. Qu'est-ce qui se passe? Une sœur de la nuit. Elle a réveillé des morts. Ils me pourchassent. Wow, wow, wow. Et tu les amènes ici? Capitaine,
C'est le moment de décoller. Sors-nous de là, Gris! Qu'est-ce que t'as fabriqué? Il y a des sorcières mortes qui tentent de monter à bord! Décolle! Raconte-nous. Tu as trouvé le tombeau? Le sabre de ton maître. Je l'ai vu. Maître Tapal, j'ai vu ce que j'ai fait. Je l'ai vu mourir. Kal. Il est détruit. Il n'y avait rien que je puisse faire. Kal, tu n'étais qu'un enfant. Non. Non, je sais que j'aurais pu le sauver si j'avais été meilleur et plus courageux et si je l'avais écouté. J'aurais pu le sauver. Je le sais. Il est temps maintenant que je te raconte ce qui s'est passé, quand j'ai échappé à l'Empire. Trilla est entrée dans la pièce. Et quand j'ai vu ses yeux, j'ai compris ce que j'avais fait. C'était une inquisitrice. Quelque chose en moi a cédé. Et j'ai perdu le contrôle. J'ai puisé dans le côté obscur. Je les ai tous tués. Tous, jusqu'au dernier. Excepté elle. Pendant longtemps, je n'ai pas pu me pardonner. J'étais perdue. Parce que j'avais toute cette rage. J'essayais de la refouler, mais je ne pouvais pas lutter contre sa présence. Je n'avais qu'une envie, c'était mourir. Et puis j'ai appris l'existence de l'Holocron. Une lueur d'espoir pour construire un avenir meilleur. Et enfin, une chance d'avancer. Lève-toi. Je ne peux pas changer ce que j'ai fait, et tu ne pourras pas non plus sauver ton maître. C'est du passé. Mais Kal, tu dois te décider à aller de l'avant. Comment ? Tu vas commencer par ça. Et tu vas t'en fabriquer un nouveau. Kal, ce ne sera pas facile. Ouais. Mais je suis prêt. Je ne parle pas que d'ici. Chaque Jedi doit affronter le côté obscur. Et il est si facile d'échouer. Vous luttez encore contre le côté obscur, même après avoir coupé votre lien avec la Force. C'est une lutte sans fin. Mais c'est ça, le test. C'est en choisissant de se battre que l'on découvre qui on est. Alors, il est temps de découvrir qui je suis. Thank you.
c'est le temple Jedi. Ça fait longtemps, mais... Oui. Je m'en souviens. Tous les Jedi novices viennent ici. Enfin... Venez ici. Du temps des Jedi. Il y a un passage de ce côté. Je ferai attention à la glace. J'ai jamais vu un blizzard pareil. La tempête, le temple. J'ai comme l'impression que tout est lié. Pas grand chose à voir, pas vrai? On devrait redescendre. Mon visage est engourdi. Jedi a médité ici. Il est revenu sur sa vie passée pour en contempler les aventures et ses épreuves. Voir ça. Merci, BD. Ouais, c'était vraiment beau avant.
Cette chaleur fait du bien. Super. Je me rappelle cette pièce. Maître Yoda a fait fondre cette porte pour nous faire entrer. Pas avec la force, avec ce cristal. Concentrer la chaleur de la lumière. Je pense qu'on peut le faire aussi. T'as quelque chose ? J'ai compris, BD. Fais-moi voir.
De la chaleur s'échappe des fissures sous l'eau, mais il fait très froid ici. Le cristal Kyber. Il m'appelle. On n'est plus très loin. Le cristal Kyber choisit son Jedi. Et pas l'inverse. Oui, un peu comme toi. Allons voir. C'est qu'une petite secousse. Ça va aller. Espérons que ça tienne. Joli scan BD. C'est passé près. Son appel s'intensifie. Dépêchons. C'est eux. Comment ils nous ont trouvés ? Où est-ce que tu l'as perdu de vue ? Il se dirigeait vers les grottes. Il criait, mais je ne l'ai pas trouvé.
BD, tu penses pouvoir pirater ça? Beau boulot, BD. Qu'est-ce que c'est, BD? Voilà. Je peux le voir briller. Par ici. Je peux le sentir. On sera bientôt dehors. Je te le promets. BD ! T'approche surtout pas ! BD ! Ah !
Non, non ! L'échec n'est pas la fin, mon ami. Ça va, BD. L'heure est venue. C'est peut-être la dernière fois que tu me vois. Je sens au fond de moi que l'Ordre Jedi vit ses dernières heures. Non. L'échec n'est jamais la fin. C'est une étape inéluctable et nécessaire. L'espoir perdurera toujours pour ceux qui continueront à se battre. Comme toi, BD1. Je pense que tu trouveras quelqu'un qui sera aussi brave et volontaire que tu as su l'être. Et que tu l'aideras, comme tu m'as aidé. Mais ta mémoire sera totalement perdue. Es-tu sûr de vouloir le faire ? Je procède à l'encodage de la mémoire. Seul un très fort lien de confiance sera à même de te rendre tes souvenirs. Tu as ma confiance, comme depuis toujours. Et j'ai confiance en quiconque tu choisiras pour me remplacer. Au revoir, mon ami. Tous tes souvenirs, tu as failli les perdre. Ah. Ouais, moi aussi je crois en toi, BD.
avez vu quelque chose? Je vais le descendre. Liquidez-le. Attention. J'espère que des renforts vont arriver. À l'attaque, vite! On va l'attraper. Occupez-vous de lui. Je pourrais l'éliminer tout seul. On va pas tenir très longtemps. Je peux le rattraper. Ouais, allez-y, enchaînez. J'abandonnerai pas. Ce sera une simple formalité. Ne lâchez pas. Il est touché. Oh, je peux tuer. Je vais me replier. Bon, allez, je peux le faire. BD, la porte. Ennemi détecté. Piètre résistance. Contact catégorique. Coup porté à l'adversaire. Intégrité compromise. Incapable. Il est inutile de résister. Être futile. Vos chances de survie sont infimes. La déverrouiller? Serré, faut pas qu'on traîne ici. Ils ont envahi Illum. Est-ce que ça va? Non, je suis repéré. Et ce n'est pas tout. Ils extraient des cristaux Kyber. Capitaine, prépare-toi au décollage.
Attrapez-le! Jean et ma peau! Soyez un des nôtres! Ta fin est proche! Le Jedi est affaibli, éliminez-le! Aucune douleur, tu pourras pas toujours fuir! Tu fais pas le poil! Je te vaincrai! Les canaux impériaux. Ils envoient toutes leurs ressources vers toi. Vous êtes en sécurité? On fait profil bas, mais la tempête se dissipe. On aura bientôt plus de couverture. Et si vous masquez le signal du Mantis? Ça ne fonctionnera pas s'ils s'y attendent. Je crois que j'ai une meilleure idée. J'ai décodé leur cryptage. Je brouille leur transmission, mais ils ne mettront pas longtemps à les rétablir. Ça devrait nous faire gagner du temps. Merci. Il y a des Stormtroopers partout. Illum était notre planète, Kat. Fais-leur passer le message. Appeler des renforts. Tous les destroyers stellaires qui se trouvent dans le secteur vont rappliquer. S'ils arrivent ici avant toi. Non, pas question de se faire prendre maintenant. Je serai là. Serré, on a de la compagnie. Gris doit fermer le Mantis.
Quoi? Avec l'Empire à tes trousses? Ça va pas bien, petit gars? Fais-le! D'accord, je ferme le vaisseau. BD. Envoyer un Steam? J'en avais vraiment besoin. Tu as réussi. Grâce à vous. Je ne serais pas là sans votre aide. J'étais terré sur Braca, rêvant d'assaillir Coruscant avec les survivants du Conseil Jedi. Mais au final, l'espoir de l'Ordre repose sur un joueur, un Jedi déchu et un mauvais Padawan. Une belle bande de ratés. Ouais, ça c'est bien vrai. BD est le seul à être fiable. Il a laissé Cordova effacer sa mémoire pour pouvoir nous guider. Mais tous les deux, vous êtes prêts à tout sacrifier. Pour continuer, même quand ça paraît impossible. L'échec fait partie du voyage. Je le sais maintenant. Je vous remercie. Vous tous.